Je m'appelle Louis Granet, j'ai 27 ans. J'ai fait 3 écoles d'art, notamment les Beaux-Arts de Bordeaux, juste après mon bac. Après, je suis parti à Angoulême, l'ESI, qui est une école de bande dessinée. Et pour terminer mon cursus, je suis parti aux Arts Déco de Strasbourg, en illustration, et j'ai passé mon diplôme en 2014. Mon premier lien avec le dessin, c'était la bande dessinée. C'était mon premier rapport à l'image, à la narration, à la manière de composer une image, le trait, la couleur. J'ai un processus de création assez aléatoire, assez hasardeux au fil de mes rencontres. Je suis capable de prendre des photos du coin d'une rue, d'un bout d'affiche, le coin d'une table, le portrait d'un de mes amis. À partir de toutes mes photos, je fais un tas de dessins que je compose et recompose et réajuste à l'atelier. Je retravaille mes dessins numériquement à l'écran. Et finalement, une fois que j'ai validé mes compositions, je les travaille picturalement sur la toile. J'aime parler de mon quotidien, j'aime parler de ce que je vois, ce que je rencontre. Et je sais que ce que je vis dans mon intimité, d'autres gens vont le vivre. On peut découvrir le travail de Louis Granet à travers l'exposition de peintures récentes qu'on a intitulée « Peinture sous pression ». Un titre qui fait référence à l'abondance des motifs qui sont dépeints par Louis. Il y a 23 œuvres qui sont exposées, 23 œuvres récentes qui datent de juillet 2017 à aujourd'hui. Il y a une surcharge des motifs, ils sont nombreux à se presser à l'intérieur des limites du tableau. Ils ne sont donc pas toujours identifiables non plus. Les couleurs sont volontiers contrastées et on peut voir aussi une surcharge au niveau des lignes, de cette ligne noire qui vient fragmenter et presque fissurer la surface du tableau. L'humour il réside ici dans les motifs très banals, parfois puérils. On a des petits monstres ou des petits personnages qui viennent orner les paquets de céréales, par exemple. Et puis, néanmoins, il y a un point de vue assez pessimiste sur la société de consommation ou sur aussi la production de déchets dont on ne sait plus que faire et qui explique que tout est flétri, tout est à l'état d'abandon et de délaissement.